Ah oui. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 5 juillet 2021. Il y a plusieurs années de ça, j'ai fait une vidéo qui s'intitule L'impôt est inutile et une autre qui s'intitule, comment elle s'intitule-t-elle? Suppression de l'ISF, tout sobrement, simplement sobrement. Et dans laquelle j'expliquais mon point de vue iconoclaste d'homme de gauche qui est contre l'impôt. Par cette troisième vidéo, je souhaite compléter cette proposition, cette réflexion que je rends publique et que je soumets à votre intelligence, à votre évaluation, à votre critique. Critique, c'est pas dans le sens qu'est-ce que c'est qui va pas, c'est tiens, est-ce que c'est intéressant, oui ou non, comment on peut améliorer ou est-ce qu'il y a rien à améliorer et qu'il faut juste ne pas en prendre compte. Donc la chose importante, je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos ou alors très très sommairement, mais je remets ces vidéos en lien de cette vidéo ici dans la description. Mais bref, j'expliquais que l'impôt, de mon point de vue, est inutile et inefficace pour financer les biens et les services publics. Désolé pour le bruit de fond, c'est la climatisation, mais il fait très 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 chaud. Et d'ailleurs, le téléphone risque de se mettre en rideau d'ici quelques temps. Bref, donc l'impôt est inefficace pour financer, entre guillemets, le train de l'État. Enfin, j'aime pas trop dire ça, c'est péjoratif, et puis ça pourrait laisser penser qu'en fait on engraisse des bureaucrates qui servent à rien. C'est pas ça que je veux dire, c'est le financement des biens communs, services structures, services publics, structures publiques, etc., etc. Biens et services publics. Pourquoi? Parce que si, je le dis quand même rapidement, même si je l'ai dit précédemment, si l'impôt, enfin si le financement des biens et des services publics dépend de l'impôt, alors ça dépend de la santé de l'économie, si je dis ça comme ceci. Et donc quand l'économie est atone ou va mal, en temps de pandémie par exemple, eh bien alors ça affecte grandement les rentrées financières de l'État, alors que justement ce sont dans ces périodes-là en particulier qu'on a beaucoup plus besoin des filets de sécurité, etc., de toute l'organisation sociale qui dépend en France beaucoup de l'État. Et donc on l'a vu pendant la pandémie, le président roi de la Ve République, qu'il faut changer, a momentanément changé son discours de pseudo-néolibéral et en vérité véritable égoïste en disant oui, il faut sortir certains domaines du marché, la santé, etc. Peu importe combien ça coûtera, on mettra l'argent qu'il faut, etc. Donc c'est-à-dire que là, il décorrélait le fait que l'impôt sert à financer les biens et les services publics, ce dont nous avons besoin en commun, et en particulier dans les pandémies ou dans des crises financières, etc. Même si évidemment, par après, la logique revient et le discours tout de suite qui vient après, soi-disant après avoir dit il faut sortir des trucs de certains domaines du marché, leur logique revient après, mais c'est une logique égoïste, c'est pas une logique logique justement, en fait. Si je sais pas si je me fais comprendre, mais de dire eh bien si quand même il faudra quand même rembourser tout ce qu'on a dépensé. Mais en fait, ça c'est un prétexte pour pouvoir justement privatiser les choses et pas dans une logique de responsabilité, on a beaucoup dépensé d'argent, etc. Il faut pouvoir le rendre. Ça, c'est juste un prétexte, une excuse. Donc, en tout cas, voilà. En temps de crise, l'économie est affectée et donc, par conséquence, les rentrées d'argent par l'impôt, etc., de l'État sont affectées. Et donc, si c'est de cette façon-là que l'on finance les biens et les services publics dont on a cruellement besoin en temps de pandémie, eh bien voilà, on voit bien que ça pose problème, c'est inefficace, c'est pas logique comme raisonnement. C'est pour ça que je dis, je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est par la création monétaire ex nihilo, bien sûr contrôlée, il faut pas faire n'importe quoi évidemment, mais n'empêche que l'on doit financer les biens et les services publics. Et ceux qui rétorquent en général, c'est l'argument qu'on me dit, oui mais l'inflation, mais non, puisque il s'agit du domaine public là. Donc quand on doit construire des routes, eh bien l'État fait, comment ça s'appelle ça? Fait appel à différentes entreprises qui doivent concourir entre elles pour proposer la meilleure qualité, le meilleur service au meilleur prix. Donc il y a bien un contrôle ici du prix qui se fait par la concurrence des différents acteurs qui proposent leurs services. Et puis même, l'État peut dire le prix, ça sera tant, et donc qui est-ce qui est capable de le faire à ce prix-là? Si il y en a qui disent ah ben non, ça c'est beaucoup trop bas, non, on peut pas. Vous n'êtes pas candidat, d'accord, très bien, qui est-ce qui est candidat? Voilà. Après, évidemment, les prix se calculent de façon raisonnable, à la fois du côté du privé, doivent être calculés de façon raisonnable à la fois du privé et aussi à la fois de l'État. C'est-à-dire le privé pas essayer de trop prendre et l'État pas essayer de faire le radin et d'avoir au final un résultat de merde. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, je continue à dire que c'est par
la création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire donc la reprise ou la prise du pouvoir de battre monnaie démocratiquement, c'est-à-dire que donc c'est la représentation, mais en réalité le peuple français qui possède l'établissement financier Banque de France ou peu importe si on veut en créer un autre, qui soit totalement assujetti au pouvoir démocratique des Français, même si ça passe par leur représentation elle-même dûment contrôlée par les Français, avec la reddition des comptes, le pouvoir de destituer un politique qui n'aura pas fait ce pour quoi il a été élu, etc. etc. Donc, je vous expliquais donc que l'impôt était inutile dans le cadre du financement des biens et des structures publiques. Et donc, l'autre vidéo, la suppression de l'ISF, c'est simplement la même histoire. Mais au sujet spécifique de l'ISF, on n'a pas besoin de l'ISF parce qu'on supprime tous les impôts qui pèsent sur les Français, quelle que soit leur catégorie. Mais je complète ici, et c'est véritablement le cœur de cette vidéo, après 7 minutes de blabla, en réalité, l'impôt peut avoir une fonction, mais pas celle de financer les biens et les services publics. Quelle est cette fonction ? C'est que dans le cadre démocratique, parce que la première chose à faire, je le rappelle ici, mais tout ce que je propose sur ma chaîne, c'est une fois qu'on a fait de la France une démocratie. Donc je le rappelle encore une fois qu'on a fait de la France une démocratie, que donc les Français en âge de voter, etc., de voter, oui, de voter, pas seulement d'élire, et de proposer, etc., de participer à l'organisation de la société d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la proposition ou par le référendum en disant « qu'est-ce que c'est que vous proposez ?» Ben oui, on est pour, on est contre, etc. Que ces propositions viennent des politiques classiques ou viennent des citoyens eux-mêmes. Donc une fois qu'on est dans ce cadre démocratique, il faudra mettre sur la table quelle est la limite maximum d'enrichissement d'un individu. J'en ai fait aussi une vidéo que je remets aussi en lien de celle-ci. Et donc une fois que collectivement on définit un plafond d'enrichissement personnel, de patrimoine, c'est pas simplement de... Première interruption, il fait trop chaud, il risque d'en y avoir d'autres parce qu'il fait vraiment très chaud. Mais donc, une fois qu'on a défini le maximum de patrimoine, le patrimoine ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est toutes les possessions immobilières, matérielles, etc., qu'un individu peut accumuler. Donc ça, c'est collectivement qu'on fixe, moi j'ai aucune idée de quel pourrait être le plafond, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut définir, pardon, collectivement. Une fois qu'on a défini ce plafond, eh bien, l'impôt peut servir à réguler, enfin à maintenir ce plafond. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse, tout ce qu'un individu engrange au-delà de ce plafond, eh bien, est récupéré, par exemple, sous la forme d'un impôt, si on doit trouver une utilité à l'impôt. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette somme-là ? Parce qu'en réalité, on n'en a pas besoin, puisque nous sommes souverains au niveau monétaire. C'est nous qui décidons, bien sûr, les Français, mais informés... éduqués par des experts, des contre-experts, etc. Il y a un débat public et, qui va dire ben, pour la, comment ça fait, pour l'éducation, il faut tel budget, ah ben non, il faut tel autre budget, etc. etc. Différents points de vue qui sont mis en scène et qui sont rendus publics afin que le public, justement, nous tous, nous puissions nous faire un avis. Telle, même chose sur l'armée, même chose sur tous les différents budgets pour avoir comme ça un budget global. Et budget global qui doit être voté de la même façon que la réécriture de la Constitution doit être votée par référendum. Je pense qu'il faut la présenter en un bloc, mais qu'il faut voter article par article. Et bien de la même façon, il faut présenter un budget total en un bloc, mais ensuite il faut peut-être la possibilité pour les Français de valider budget par budget, domaine par domaine. Mais donc voilà, en tout cas nous sommes souverains réellement monétairement. Donc nous finançons ce dont nous avons besoin par la création financière ex nihilo. D'accord, c'est une décision politique qui aujourd'hui appartient aux banques privées. On décide à tel individu, telle banque, telle entreprise de créer à partir de rien tel crédit et donc de fournir un financement, j'arrive pas à parler, et à telle autre personne ou telle autre entreprise, eh bien, on décide de ne pas, etc. Il y a des choix comme ça qui sont faits, parfois rationnellement, parfois politiques, etc., orientés, etc. IT ! Donc voilà, au lieu de laisser ce pouvoir décisionnel, qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on ne finance pas, à la sphère privée, eh bien, il faut le récupérer au niveau de la nation pour être véritablement souverain, d'accord ? Et donc, c'est nous qui finançons nous-mêmes ce dont nous avons besoin.
au niveau des biens et des services collectifs publics, d'accord ? Donc l'impôt est inutile. Mais si vraiment on veut lui trouver une utilité, voilà, je propose que ça peut être celle de réguler le plafond qu'on aura collectivement choisi d'enrichissement individuel. Et donc cet argent, puisqu'il ne servira pas à financer ce dont on a besoin, eh bien on peut soit proposer aux détenteurs de ce patrimoine de choisir selon une liste de domaines dans lesquels il peut investir, caritatif, associatif, etc. C'est pas forcément lui qui décide, parce qu'évidemment, il y aura une tentative de perversion, c'est-à-dire, ah ben moi, je crée telle association, et donc du coup, c'est mon argent, j'ai créé une association, ou alors je la fais créer par un copain, et c'est là que je mets mon argent, alors qu'en fait, ça reste en circuit fermé. Donc, ce sont, selon des entreprises, dans le sens de faire quelque chose, pas forcément une entreprise commerciale, mais par exemple une association, c'est une entreprise, d'accord, de vouloir faire quelque chose, un truc caritatif, ou etc., qui doivent passer donc un espèce d'agrément, qui doivent obtenir un agrément des autorités, dans lesquelles toujours les Français siègent, parce que c'est pas simplement quelque chose de bureaucratique, les Français doivent participer à tous les niveaux à l'organisation de la cité, donc de la politique. Et donc, toutes les associations ou les entreprises, quel que soit leur domaine, qui auront obtenu l'agrément de financement de l'État, eh bien voilà, figureront sur cette liste. Et soit on donne la possibilité aux personnes qui sont taxées par cet impôt-là, eh bien de choisir parmi cette liste où est-ce qu'ils préfèrent que l'impôt qu'on va leur prélever aille, soit c'est simplement un retour si on veut. Ou en tout cas, récupéré par la Banque de France, qui, elle, après, décide où est-ce qu'elle va mettre cet argent. D'ailleurs, cet argent qui peut être aussi, si je pousse la logique jusqu'au bout, détruit, cet argent, c'est masculin, puisque de toute façon, comme on possède le pouvoir de battre monnaie, on n'a pas véritablement besoin de cette masse d'argent. Ce dont on a besoin, c'est de réguler à la fois les minimums, notamment par le revenu de base, et les aides familiales, handicap, etc., qui existent, et qu'on peut améliorer, augmenter, etc. Mais aussi, donc ça c'est au niveau plancher, si on veut, mais aussi il faut un plafond, d'accord, une limitation des deux, comme ça, pour en fait essayer de créer une large classe moyenne, où il n'y aurait plus que, si on veut, une classe moyenne. Même si on va dire qu'il y a une classe moyenne, et pas de classe moyenne inférieure, mais vraiment une classe moyenne, sauf s'il y a des gens qui veulent vraiment vivre dans le dénuement, mais il faut que ça soit un choix, choix philosophique ou peu importe, de style de vie. Donc une espèce de véritable classe moyenne, et si on veut, une espèce de classe moyenne supérieure, mais pas avec des écarts énormissimes, comme il y a aujourd'hui, entre les 1% ou les 0,1% et le reste de la population. D'accord ? C'est vraiment essayer de niveler. Niveler, ça va paraître comme quelque chose de négatif, mais de toute façon, je le répète, tout ceci doit se faire par la réflexion et la prise de décision collective. Donc évidemment, dans ce collectif, il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais si une majorité a dit que ça devait être comme ça, et c'est une majorité qui est éclairée par des débats et des contre-débats, d'accord ? Donc, et on peut revenir à tout moment, on a décidé d'un plafond trop haut ou trop bas, et d'ici quelques temps, une fois qu'on aura compris les conséquences de ces choix, eh bien on pourra modifier à nouveau, etc. Donc c'est pas quelqu'un ou un groupe, je sais pas, un gouvernement ou moi qui vais décider quelles sont les limites dans lesquelles la richesse tout confondu peut s'accumuler. C'est pas moi qui décide ça, d'accord, c'est collectif qu'on va le décider. Pour que ça soit raisonnable, bien réfléchi, je l'ai dit, il faut des débats, des contre-débats, il faut certainement du temps, 6 mois, 1 an, j'en sais rien, ces choses-là, d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une légitimité forte. Légitimité, ça ne veut pas dire avoir raison, mais c'est à un moment donné faire un choix, et choix qu'on évaluera à l'aune du temps pour savoir s'il a été un bon choix ou s'il faut l'arranger, etc. Voilà ce que je voulais dire. Donc l'impôt n'a que cette utilité-là. Mais ensuite, simplement, comme dans ma proposition, il n'y a qu'une seule banque, c'est la Banque de France nationalisée, qui est le service public du financement, et pas seulement du financement, mais du service bancaire. Donc tous, autant que nous sommes, à la naissance, nous avons un compte qui s'ouvre là-bas, d'accord ? Quand je l'ai déjà expliqué pour le revenu de base, mais à la naissance, à la déclaration de paternité que doivent faire les parents quand un enfant est né à la mairie, automatiquement, l'une des procédures qui se met en place à ce moment-là, c'est que la mairie communique avec l'établissement
nationale, l'établissement bancaire national, pour ouvrir en même temps un compte à la personne. Compte qui est, sur lequel donc sera versé un revenu de base de 500 euros de zéro à la majorité. Enfin, la majorité, oui, à la majorité d'ailleurs. À l'émancipation, il faut dire majorité ou émancipation ? Parce qu'il y a des gens qui sont émancipés plus tôt. Normalement, la majorité légale, à l'instant T, c'est 18 ans. On pourra la changer peut-être dans l'avenir, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont émancipés par leurs parents parce qu'ils sont plus matures ou quoi, aux caisses, etc. Et donc, c'est plutôt à la majorité. Mais non, à l'émancipation, voilà que doit se débloquer ce compte. Donc, versement de 500 euros de la naissance à l'émancipation, on va dire, ou la majorité du compte bloqué. Et puis, à partir de la majorité ou de l'émancipation, c'est un versement qui se double, donc 1000 euros. Alors, je dis 1000 euros, mais en fait, c'est assujetti, adossé à la, comment ça s'appelle, à l'inflation, même si je pense qu'on peut régler l'inflation d'une autre façon. Et donc, de la même façon, les personnes riches ou enfin qui vont dépasser le niveau qu'on aura décidé collectivement d'accumulation maximum du patrimoine, et bien comme leur compte de toute façon est à la Banque de France, et bien tout ce qui va dépasser le montant qu'on aura défini disparaîtra entre guillemets, sera détruit, parce que c'est ça la monnaie, c'est ça, c'est création, destruction, etc. D'accord ? En fait, là, il faut comprendre que la monnaie, c'est juste un moyen de réaliser, de concrétiser des choses. On pourrait faire autrement, et moi je suis partisan d'une démonétisation du monde, et d'en passer par, je sais pas comment il faut l'appeler, enfin, l'accès entre guillemets gratuit, ou bref, il faut réfléchir à ça, mais on n'y est pas encore, c'est beaucoup plus poussé, révolutionnaire, radical dans le sens de changement grand de la société actuelle. Mais si on reste dans un système monétaire, voilà, tous les comptes privés et entreprises sont dans le même établissement, qui est donc un contrôle. L'établissement a un contrôle sur l'argent qui rentre, dans le sens où quand il dépasse le plafond, eh bien il peut le faire disparaître ou l'allouer autrement. Mais je rappelle encore une fois que ce n'est pas l'établissement qui choisit, d'accord ? C'est le peuple qui assigne à l'établissement telle et telle fonction, tel et tel mandat, et sur lequel le peuple peut toujours revenir. Donc il ne faut pas craindre, ah mais alors la Banque de France peut me fermer mon compte, prendre tout l'argent, etc. Normalement, elle ne peut pas faire ça, puisqu'elle est sous contrôle de la nation, puisque nous sommes dans une véritable démocratie, ce dans quoi nous ne sommes pas maintenant. Je pense que j'ai été confus, mais j'espère que vous m'avez malgré tout compris. Comme d'habitude, vos réflexions, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus, toujours dans le respect s'il vous plaît. Et comme d'habitude, et comme toujours, je termine cette vidéo par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France !